Alors Owen, félicitations pour la victoire de ce soir et ta prestation. Est-ce que c'est le fait que ce soit le petit Wenzel qui soit là pour la première fois qui donnait du punch? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non j'étais pas sûr qu'ils allaient venir. Et c'était son premier match, mais ça fait du bien de pouvoir gagner le premier match qu'ils regardent, quoi. Mais sinon, on est très content de la victoire et je pense que ça fait du bien un peu à tout le monde. Le fait d'avoir une ambiance ainsi comme ça. C'est vrai. Et je sais pas, on a dit qu'il y avait un concours du bruit, non, mais je crois que vous avez gagné. Ça, c'est sur les fans. Le boulot, c'était top. Et ça, je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé au courant du match. Ça, c'est bien. Wen, avec les blessés, tu ne joues pas toujours à ton poste. Comment est-ce que tu vis cette situation? Je le vis. Et tu préfères quand même ta situation préférée? Je préfère qu'on gagne tous les matchs, hein, mais bon, je sais qu'on a eu beaucoup de blessés cette saison, on a eu beaucoup de changements et c'est vrai que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est pas ma position, mais bon, je. Oui, il m'a même donné une vue. Mais je monte sur le terrain, sur la position 4, j'essaie de faire de mon mieux. Mais une chose que je sais que je fais tous les matchs, tout le temps, c'est venir et emmener de l'énergie et de l'intensité. Quoi. Ça je pense que je le fais tout le temps. Et le reste, bon, des fois on gagne, des fois on perd, c'est le sport. Mais sinon, la position, je pense que maintenant, j'ai pas trop le choix non plus, donc je l'accepte. Ouais, c'est ce qui fait ta force aussi, la volonté. Ouais. Que penses-tu de la saison d'Espirou pour le moment? La saison, elle a été quand même, spéciale. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de blessés. On a eu beaucoup de changements de joueurs. Et donc les résultats n'ont pas toujours été ceux qu'on voulait. Mais sinon, je pense que voilà, on s'est donné une chance de pouvoir terminer troisième ou deuxième. Et il reste quelques matchs. Je pense que si on peut remporter ces quelques matchs, on peut finir dans une bonne position et entamer avec les playoffs. Qu'est-ce qui manquerait pour toi à l'équipe? Parce que maintenant, on commence à voir quand même quelque chose de vraiment bien dans l'équipe. Qu'est-ce qui manquerait? Il manque rien. Non, c'est pas. Je crois que c'est une opinion. Je crois que tout le monde peut avoir une différente réponse à cette question-là. Mais j'ai vraiment confiance en mes coéquipiers. On a un très 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 bon groupe et je vous l'assure. Je sais que pendant des matchs, des fois ça se voit pas vraiment, quoi. Mais je suis sûr que de temps en temps vous voyez quelques flashs et des fois quand on peut tous être sur la même page, je pense que on fait des matchs comme aujourd'hui. Mais sinon je pense qu'on a tous les atouts qu'il faut pour aller loin. En parlant de Jacques Stas, le Jacques du Spirou et le Jacques de l'équipe nationale, est-ce que tu vois une différence? Le Jacques du Spirou, c'est le Jacques du Spirou. Et le Jacques d'équipe nationale, c'est le Jacques d'équipe nationale. Merci Wen. Est-ce que tu aurais un moment comique à nous expliquer dans l'équipe? Dans l'équipe. Ouais, Loïc, il doit aller voir un docteur parce que il a énormément de gaz. Et j'espère qu'il va regarder ça. Loïc, va voir un docteur. J'espère que c'est pas contagieux. Comment est-ce que tu te sens toi dans l'équipe et comment est-ce que tu vois l'avenir? L'avenir de cette saison ou... Comment est-ce que tu vois l'avenir pour toi? Question piège. Non, c'est pas une question piège du tout. L'équipe, je pense que, comme je disais, je pense que ça a pris du temps pour que chacun trouve un peu sa position et son rôle. Et comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de blessés. Donc je pense que c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir trouver que chacun entre dans son rôle et pour que chacun le fasse to the best of the abilities, tu vois. Mais sinon ça va. Je pense qu'on y arrive petit à petit et si on arrive au point où on voudrait être avant les playoffs, je crois que ça sera top. Pour les Belgian Lions, est-ce que tu seras... Ils iront ici à l'Euro l'été prochain. Est-ce que ça sera aussi un voyage pour toi? Mais j'espère. J'espère. En tout cas, j'espère parce qu'on a beaucoup travaillé l'été passé. Encore une fois, on a eu quelques blessés et on a eu beaucoup de jeunes. Et donc, se qualifier comme on l'a fait, en première position,
je pense que c'était quand même un exploit, quoi. Et on, notre groupe d'équipe nationale, on a un très 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 bon groupe. Et vraiment un très bon esprit d'équipe. Et le staff aussi, il est génial. Donc je pense que cet été ce serait quelque chose à voir, en tout cas, ça c'est sûr. Pour terminer, est-ce que tu aurais un mot à faire passer aux supporters de Spirou? Les supporters de Spirou. Mais vous m'avez vu quand je suis venu avec vous, les tambours et tout. On adore ça. Mais oui, c'est parce que je vous ai dit aujourd'hui, c'était génial. Et c'est pas qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui encore beaucoup plus qu'avant, en tout cas que moi j'ai senti. Et en tout cas, merci beaucoup. Et je sais que ça n'a pas été facile cette saison, ni pour vous, ni pour nous, mais on serre les coudes et ça ira. Merci Wen, encore bravo merci, pour merci ta à vous. Prestation. Merci à vous, merci bonne à chance vous. Pour la suite. Merci à vous, merci aux fans aussi. Merci beaucoup. Merci. Allez.